Bienvenue, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve sur le God of War, mais pas le Ragnarok qui sort d'ici quelques jours, mais sur God of War 4 qui était sorti sur PS4, PS5 et PC. J'y joue sur PlayStation 5, donc il y a les améliorations graphiques. On est à peu près à 1 heure de jeu et j'ai un peu honte de le dire, mais je ne l'ai jamais fait. Donc là, j'essaye de me le faire avant l'arrivée du prochain d'ici quelques jours. Et ouais, j'ai honte de pas l'avoir fait, mais en plus j'ai pas d'excuses. Il devait y avoir d'autres jeux qui sont sortis à ce moment-là pour pas que je me penche dessus. Le pire, c'est que c'est un jeu qui j'avais fait certains God of War. Je les ai pas tous faits, mais j'en ai fait quelques-uns. Et c'est des. Ok, j'ai pas réussi à parler. Vas-y, recommence. C'est des jeux, et celui-là en l'occurrence, qui m'intéressait beaucoup, puisque déjà d'une part, il a reçu. C'est bien l'argent. Il a reçu des notes faramineuses par tout le monde, tous les joueurs l'encensent de toutes parts. Et ça, c'est cool. Et là, je dois dire que la première heure. L'espace t'étire, la vitesse te fait perdre en précision. Compris. Je dois dire que. Attendez le bestiaire parce que je regarde ça. Je mettrai pause de mon côté au montage pour regarder ça. Mais On dirait qu'il y a un coffre là-bas. il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo parce que je suis pas là pour ça encore une fois. Et surtout que je ne l'ai pas fait, donc je ne connais pas l'histoire. Et s'il vous plaît, ne spoilez pas en commentaire. Pour pas me gâcher la surprise, mais gâcher peut-être la surprise à d'autres personnes. Mais je dois dire que la première heure, franchement, même ouvrir des coffres, c'est un kiff. Le bruitage, peut-être pas ces coffres-là, mais il y a d'autres coffres où avec son poing, il éclate le coffre pour récupérer ce qu'il y a dedans. C'est kiffant. J'ai eu un combat contre déjà une sorte de troll géant. Soudaine explosion d'énergie qui interrompt et renverse tous les ennemis à proximité. Donc là, c'est bon, je suis équipé. Et là, je suis paré pour le combat. On va tester ça. Et ouais, combat contre un grand troll et aussi combat contre un autre personnage qui est pour l'instant, il s'appelle l'étranger. Et le feeling, même contre les petits ennemis, le feeling des impacts des coups et même de se battre contre. Ils veulent que j'utilise ça, je suppose. Non, pas maintenant. Je me suis planté. Ouais, la destruction, les coups, les ennemis qui volaient, qui cassaient les arbres, l'impact de. Des Attends. attaques, N'apprends l'impact des attaques, oui. Je peux le laisser, ça lui apprendra. Tiens, chope ma hache. Ah, je peux pas la lancer. J'arrive. J'arrive, fiston. Deux Accroche-toi. secondes. Reste calme. J'y suis presque. Oh. C'était pas si mal. Calme-toi. Ton empressement nous tuera. Et normalement, nous sommes pas loin d'un village avec des ennemis, de ce que j'ai compris. Oh, encore des drogards. Ouais, des Mais drogards. ceux-là bougent pas. Ils sont morts. Enfin, plus morts. Atreus. Ils sont pas morts, ils sont pas morts! Mais ouais, mais il vient de faire tomber un pont et maintenant il va faire un câlin aux ennemis là. On a une variation de couleur et le niveau des ennemis. Donc là, jaune, raté mon pote. Mais j'ai peur qu'en touchant. Ouais, les autres, je vais les activer. Il y a des chances que ça se passe comme ça. Je vais essayer mon nouveau pouvoir. Très bien. Et je peux évidemment loquer les ennemis ou les déloquer. Et je peux faire un petit retour. Ouais, voilà, comme ça. Et là, j'ai mis l'amélioration PS5 pour être en 60 images secondes. J'ai juste baissé un peu le. Le flou de mouvement, le flou cinétique. Et c'est trop stylé ça de lancer la hache. Ouais, je sais, la plupart d'entre vous avez déjà fait le jeu, donc connaissez déjà par cœur ce que je suis en train de faire. Mais je kiffe. Et ouais, je peux dire à mon fiston d'utiliser l'arc, ça augmente une jauge rouge en bas. Et cette jauge rouge, si j'enlève mon arme, voilà, là je vais l'augmenter et je pourrais lui faire un coup stylé. Attendez, on va le mettre rouge. Allez, mets-toi rouge avant de crever, s'il te plaît. Ah bah voilà, il était mort comme une bouse. Il a fait exprès. Vas-y, attaquez-moi. Non, pas toi. Attaquez-moi là. Lui, on peut le buter vite. Mais il s'est mis devant. Lui, on peut le buter vite. Voilà, si je lance pile poil sur son bras, et ben, ça a pas marché. Ok, ça va être compliqué. C'est le moment d'utiliser la colère. La colère, mon gars. Oh. Donne-moi ma hache. Vas-y, vise sur eux là. Ah, je peux pas prendre ma hache quand je suis dans cet état. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié. J'ai l'impression d'être Hulk là. Ah mince, c'est déjà fini. Bon, on va le transformer en rouge. Je vais juste
éviter les attaques, voilà. Mettons en rouge que je monte pour la vidéo. Arrêtez de me taper là. Voilà. Arrachons-le. Ah mince, je me gourde de touche. Et les bruitages, ils sont tellement, tellement puissants. Et je crois qu'il y a l'autre. Attendez, on va se reconcentrer. Toi, tu vas perdre ton bras, mon gars. Ok, j'étais pas dessus, mais heureusement, ils ont été cool. Et ouais, plusieurs niveaux de difficulté. Là, je suis en normal. Mais on peut mettre en plus difficile. Raté, mon pote. Il faudra me dire pourquoi c'est pas du sang rouge qui gicle des ennemis. Peut-être que quand ça sera des humains, ça sera un peu plus rouge, mais sur eux... Prends encore plus ton temps. Peu importe si tu ne tires qu'une fois. L'important, c'est la maîtrise. Attendez, je regarde le bestiaire. Ça, c'est notre fils qui fait des notes dans son calepin. Là, ça nous donne quelques petites indications. Au fur et à mesure que je les affronte, eh ben, j'en sais un petit peu plus, comme quoi je peux annuler son... Quand il commence à charger sa boule de feu, et je peux l'annuler. Et bien sûr, visuellement, c'est ça reste très joli. Et je comprends maintenant, même si j'en suis qu'encore une fois au début, ça je crois qu'il peut les lire ces trucs. Lila. J'allais faire une blague avec Lila, désolé. Sort de marché. Les géants se rassemblaient ici pour commercer avec les dieux, il y a très longtemps. Je me demande si Odin est venu ici. Ouais, c'était un marché où les dieux et les géants se retrouvaient. C'est quoi ce bruit? Là-haut! Quelque chose brise le mur! Quel mur? Attendez, laissez-moi explorer. Il fait exprès, c'est quand je regarde d'ailleurs qu'il vu qu'il y a pas mal de choses à récolter. Ouais, bon, on va aller voir derrière le mur, mais c'est... Ah. Salut, t'as l'air un peu plus fort. C'est cool, j'ai envie de tester. Vas-y, elle est où mon arme? J'ai mis où? Ah bah voilà. Je crois pas que je puisse parer son attaque, lui, vu qu'il y avait un symbole jaune autour. Ok, ça va être plus complexe. Faut que je vois comment je l'esquive, lui. Ok, il y en a plein derrière moi en même temps. Vas-y, attaque-le. Le mieux, peut-être... Oh, je vais crever, il me laisse pas esquiver. Je vais peut-être y aller au corps à corps. Pour augmenter... Voilà, c'est ça, faut que j'augmente ça. Je peux pas faire mon pouvoir, là. Attendez, pourquoi je peux pas... ça va être compliqué. Je vais mourir. Faut que j'ai ma hache. Bah oui, c'est ma hache où il y a le pouvoir dessus. Voilà. J'ai pas envie de crever, mon pote. Vas-y, reviens, ma hache. On va le faire à distance. Reviens. Et voilà. J'arrive, fiston. Oh, qu'est-ce que tu fais à mon fils, toi? Laisse mon gamin. Oh, non, mais il y en a combien qui arrivent? Vous êtes... Ils sont un peu trop nombreux, là. On va peut-être devoir fuir, non? Parce que moi, j'ai ramassé le seul truc de vie qu'il y avait. Il y a des trucs au sol. Dites-moi que c'est de la vie. Dites-moi que c'est de la vie. C'est de la vie. J'ai envie de réessayer si je peux parer. Aïe. Attends, réessaye. Ah non, celle-là en jaune peut-être pas, mais l'autre je pouvais peut-être la parer. J'appuie là! Voilà! Mais là, arrêtez de choper mon... Laissez mon gamin! Oh, je vais mourir. C'est la première fois que je meurs. Petite précision, ouais, elle est mignonne ma tasse, mais c'est pas ça, c'est qu'on est le matin. Pour me donner une petite excuse. Allez, on est reparti. Ouais, bah on l'a vu qu'il brisait le mur. Moi, il m'a brisé autre chose. On a le temps avant qu'il le brise, on peut pas se barrer là? Eh ouais, il y a pas mal de choses à fouiller. Et je suis dégoûté, au début du jeu, il y avait un endroit où on pouvait aller tout droit récupérer un super coffre. À gauche, c'était la continuité. Et à droite, il y avait un chemin. Et je l'ai pas pris. Et maintenant, je pourrais plus jamais y retourner, quoi. Et ça, je suis triste. Je ne perds... Ah ouais, par contre, je ne perds pas de vie, mais je peux pas... Je peux pas reparer direct, c'est ça que je voulais dire. Certaines attaques, je peux le repousser. Et d'autres, non. Faut juste que j'arrive à me familiariser avec, avec leurs enchaînements. Voilà. Avec leur pattern plutôt. On va pas prendre aucun risque. On va économiser notre vie. Et faut que je prenne l'habitude aussi de dire à mon fils. Ah si, je peux les parer. À dire à mon fils de tirer des flèches. Mais crève toi une bonne fois. J'arrive, fiston. Bouge pas. Enfin, bouge pas. Bouge pas, fiston. Ça va bien se passer, mon gars. Tout va bien aller. Oh ouais, ouais. Mais j'utilise. Et là il va réattaquer direct. Ok ok ok. Voilà. Oh, c'est chaud. Je suis sûr je m'y prends pas bien. Il y a d'autres trucs que je dois faire plus souvent que je ne fais pas. Là je commence à voir le timing.
Donc ça, ouais, ça le. Vite. Il me faut de la vie. Je vais encore crever. Il me faut de la vie. Il y a de la vie. Dégage-toi. Ta maman, pas de vulgarité. Sa maman, c'est pas une vulgarité, c'est sa mère, ok? Je crois que je peux l'avancer un peu sur le côté, de cette manière. Très bien. Allez, vas-y. On y va. On va les défoncer bien comme il faut. Voilà. Oh, on sent la puissance. Et ça, c'est bien. Ça va, gamin? C'est ça qui a réussi aussi, le contraste entre son petit gabarit et nous qui sommes si balèzes. On ressent que, bah, qu'il est, que c'est un enfant qui... Et qu'à tout moment, qu'est-ce que c'est ? On verra bien. Il peut disparaître. Ne t'éloigne pas. Et Santa Monica ont réussi à, apparemment, d'après les retours de tout le monde, à proposer quelque chose de nouveau avec ce God of War en comparaison de leurs anciens jeux. Mais en gardant le côté un peu gore, le côté dieu. Ouais. On dirait ma nounou quand j'avais 5 ans qui me chantait des chansons. C'était la même chanson. Une revenante ? Ah bah je vais la faire partir. Attends, elle... oh, attendez, mais elle est où ma hache ? Pourquoi je peux pas prendre ma hache ? Ah mince, j'avais oublié de la récupérer. Ouais, elle a disparu bien comme il faut, mais... Et ma hache, elle va pas s'attendre à ce qu'elle se la reprenne dans le dos. Ok, j'ai raté. Mais ça, voilà, là je la pousse. Comment je suis censé buter un truc qui disparaît ? Hmm ? Réfléchis. Tiens-lui dessus. Ouais. Il doit y avoir. Voilà, en fait, c'est peut-être quand mon fils. J'arrive pas à loquer l'ennemi. Quand mon fils lui tire dessus, que ça l'a fait apparaître. On va tester. Désolé, j'ai du mal à. À être précis dans mes techniques. Allez, attaque. Ok, maintenant j'ai une revenante qui me vomit dessus. Si j'avais imaginé ma matinée comme ça, je l'aurais écrit différemment peut-être. Voilà. Ça doit être notre fils qui doit bien nous aider. Et peut-être que... Je vais y aller avec mes points. Voilà, elle est toute rouge. Elle va être rouge. Vas-y, vas-y, vas-y. On va pouvoir la découper en morceaux. Voilà. Défoncer la tronche. La revenante est repartie. J'aurais jamais pensé en voir une de si près. Moi non plus. Et ouais, il y a du sang quand même. En fait, il y a un liquide dégueu qui sort, mais il y a également un liquide de sang. Ouais, ça, c'est vrai que je vous l'enlève au montage. Moi, je regarde un peu les bestiaires parce que j'aime bien regarder en détail, mais je suppose que la plupart d'entre vous connaissez déjà. Des sorcières qui vendaient leur âme petit à petit pour avoir plus de pouvoir. Ah, comment je fais pour aller à ce coffre ? Et, chose qu'ils ont réussi à faire, c'est également un jeu qui ne se termine pas en 7 heures. C'est un jeu qui avait une durée de vie, si je ne dis pas de bêtises, il faut compter une vingtaine d'heures en ligne droite peut-être. Et un peu plus pour faire tout ce qui est... Il y a plein de trucs à récolter. Tout ce qui est mission secondaire. Il y a plein de chevaliers, des vikings, un peu éparpillés comme ça partout. Je peux descendre là ? Ça, je peux le casser. J'oublie toujours, je lance ma hache, j'oublie de la récupérer après. Comment je fais pour descendre ? Et ça, c'est intéressant de chercher les différents moyens. Il y a un coffre en haut, je ne sais pas comment y aller. Mais j'ai peur qu'en partant... Ah si, je peux peut-être y aller quand même. Ouais, on voit qu'il y a le chemin en bas. Le chemin de base doit être là-bas, je suppose. Mais... Je ne sais toujours pas pourquoi cet homme t'a attaqué devant chez nous. Ouais, c'est la personne dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne sais pas non plus. L'étranger. Qui semblait bien faible au début, au premier regard. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un jacuzzi. Vous me direz, je suis pas un pro des jacuzzi. Viens là. C'est un nouveau ça ? Ah, il est violet. Qui dit violet dit beaucoup plus fort normalement. Est-ce que si mon fils tire dessus... Non, ça a pas l'air de le mettre... Si, ça le met un peu dans le rouge. Attends. On va essayer... Ouais, non, mais il faudrait que moi et mon fils, on s'y mette à fond tous les deux. En rouge, ça en rouge, je suppose que je peux pas le parer par contre. Ça, je peux. Sauf que j'ai pas.
Eh, il est punitif. Soit c'est parce que je suis naze, soit c'est parce... parce que je suis naze. Et bien sûr, je vous ferai une vidéo... Attendez, ils m'ont fait apparaître... Ah, ils m'ont fait apparaître... bien sûr, je vous ferai une vidéo quand le Ragnarok sera disponible, même si je pense que j'aurai pas eu le temps de terminer celui-là avant la sortie de l'autre. Parce que j'ai pas non plus envie de me speeder à fond. Quand je me speed dans une série ou dans un film ou dans un jeu, enfin dans un film, non pas dans un film, mais dans un jeu. Ah ouais, non, je peux pas. Je me refais avoir bêtement. Je kiffe, il y a des séries que je regarde à fond, ou des jeux, j'y joue à fond, mais j'ai pas le temps d'imprégner rapidement les séquences qui se sont déroulées comme une série. Si vous regardez Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, j'ai fait une nuit blanche, j'ai tout regardé, et maintenant, je me rappelle presque plus de rien, tellement que je l'ai regardé... Ah non, tellement que j'ai regardé vite. Faudrait que je re-regarde la série. Alors que quand tu regardes un épisode petit à petit, ou deux, trois de suite, eh ben on a le temps, quand on arrête, de ruminer le truc, et de s'en rappeler. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de rusher le jeu, parce qu'en rushant un jeu, bah on l'oublie aussi rapidement, on n'a pas le temps d'être imprégné des choses. Et lui, là, il commence à me gonfler, mais en même temps, j'ai envie d'arriver à le buter. Faut juste que je trouve comment je peux me le faire. Ça, c'est un peu mon objectif, là. Ah, ils m'ont remis toute ma vie. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ils m'ont remis... Mais non, mais j'appuie. En fait, en ce moment, je joue à un autre jeu où il y a des phases de combat, sauf que les timings, c'est... Je suis paumé, je peux pas vous dire ce que c'est pour pas vous spoiler, mais j'ai fait le test... Je vais crever. Le test d'un jeu et... Je continuerai jusqu'à ce qu'il meure. Mais ouais, il y a un test qui arrivera d'ici quelques jours sur un jeu. Que j'ai fini hier, voilà. Vous savez tout. Je suis du genre un peu persévérant, si vous voyez ce que je veux dire. Mais est-ce que être persévérant et être idiot, c'est pas un peu la même chose pour moi, je veux dire. Ça, ça marche bien. Vas-y, tire lui dessus en même temps. Voilà. On peut se le faire à distance, peut-être. Ouais, comme ça, voilà. Ça s'appelle la technique du petit kiki. Ça marche bien, la technique du petit kiki. Reviens, reviens, reviens. Voilà, maintenant, hop, on court, tire dessus. Voilà, j'ai compris comment le buter facilement. Vous aviez douté de moi, moi également. On va se le... Vas-y. Non, retente ta chance. Raté. Fais-moi une attaque, j'ai envie de parer pour te tuer. Bah, j'ai appuyé trop tôt, mon gars. Et là, je vais crever. Là, il fait normalement l'autre, non? Ouais, celle-là, et celle-là, j'arrive pas à la parer. Voilà. Et en XP, je récupère que 21 XP, c'est pas énorme. Sachant qu'il en fallait 1000 pour améliorer ma technique. Et je vous ai pas montré l'autre coffre où on défonce avec les poings. C'est de l'or, de l'argent et de l'acier. D'où? Ah, le jacuzzi, tu parles? Ah, j'avoue que c'est dégueu. Oh, stylé, j'ai fait une marque dans le jacuzzi de boue, je sais pas ce que c'est. Comment je fais pour aller à l'autre endroit là-bas? Ah bah non, c'était là en fait. Ouais, ouais, non, mais le coffre, j'ai fait tomber un truc, mais je sais pas si j'ai récupéré ce que j'ai fait tomber. Et si les revenantes se déplaçaient pas seules, et qu'il y en avait tout un groupe qui nous attendait là-haut, et qu'elles étaient vraiment en colère? Atreus. Pardon, j'ai trop d'imagination. Tu me fais surtout trop flipper, maintenant j'ai pas envie d'aller là, d'aller en haut. Il y avait le coffre aussi en... Pourquoi j'arrive pas à monter? Bah, c'est rond, j'appuie sur croix, moi. Il y avait également le coffre qui était sur la droite. Donc on va aller le chercher de ce pas. Le fameux coffre. Je vois qu'il y a un truc qui pendouille là-bas. Je sais pas si je l'ai déjà utilisé ou non. Vous voyez ça? Ah, oh, il y avait un truc à faire. Oh non, il est retombé tout en bas. Bon, j'y retourne. C'était quoi, du coup? Je vais vous montrer ce que je ramasse au moins. J'ai ramassé de l'argent. Pour le moment, l'argent ne m'est pas d'une grande utilité actuellement. Je suppose qu'ensuite, on aura peut-être des petits villages où je vais avoir des marchands et je vais pouvoir dépenser durement tout mon... Oui, mais il y a des trucs partout. Durement toute ma thune. Au bout d'un moment, ma hache, je vais la laisser dans un autre niveau, quoi. Je vais oublier de la ramener. Oh, le coffre doré. Il faut faire des trucs pour l'ouvrir. Et ça, c'est tellement jouissif de... Juste l'envoyer en l'air. Hop, je le balance avec ma hache. C'est stylé.
J'adore. J'adore complet. C'est quoi ce truc? Ouais, attends, je regarde le bestiaire. Ouais, en gros, il est en train de me dire que ses ennemis sont tout pourris. C'est quoi? J'ai cassé un truc au sol qui était rouge. Je sais pas à quoi ça correspondait. Et là, faut que j'active en lançant ma hache. Ouais. Faut juste que je trouve les autres. Et vous savez pas à quel point le fait d'avoir manqué un passage au début du jeu... j'ai regardé même sur YouTube pour vous dire ce qu'il y avait. C'était un... des collectibles de jeux d'enfants qu'il utilisait lui-même quand il était gamin, en gros, Kratos. J'ai dit que des gens essaieraient peut-être de nous détrousser. Je les tuerais s'ils essaient. J'ai pas peur. Si on rencontre des hommes, tu resteras à l'écart. C'est compris? Mais je peux me battre maintenant. Tu resteras à l'écart, Atreus. Un point, c'est tout. Les échanges du père et du fils sont assez durs. Mais en même temps, il veut forger son enfant à la difficulté du monde, j'imagine. Mais le petit... en même temps, est-ce que c'est un spoil ou non? C'est le début du jeu. Et on va dire, il y a une personne qui est décédée, d'accord? Et le petit en souffre énormément. Et à côté de ça, bah, il y a la dureté du monde qui le rattrape dès le départ. Ah, c'était par là le chemin, je pense. Oh, c'est ça d'ici? Un peu loin, peut-être. Reviens, Mâche. Elle défonce tout sur le passage. Ça, j'ai vu que ça avait marché. Oh. Plein de trucs de vie, je vais le garder au cas où. Il n'y avait pas un autre chemin, attendez. C'est plus fort que moi, faut que je regarde partout. Il devait y avoir un chemin, là. En plus, j'ai envie de casser tout. Mais là, je sais pas. Le chemin, la quête principale, si c'est dans cette direction. Ou si c'est là-bas. Je vais tester par là. Mais là, il y a l'air d'avoir une chaîne qui monte, je sais pas en gros. On va voir ça. Ah, là, c'est les coffres qu'on défonce. C'est satisfaisant. Voilà, c'est exactement ça. Le mot. Satisfaisant. Le dernier. On va pouvoir en faire le. Et il y a plein de chemins de partout. Ce qui signifie que peut-être que là-bas, c'était un chemin annexe. On va aller regarder. Je vais d'abord récupérer ce fameux coffre. Ouh. Une pomme. Ah oui, il faut en récupérer 3 pour l'augmentation de la vie. Ah, ce qui fait que ces coffres, c'est spécialement conçu pour les pommes. On en récupère en 3, comme ils le disent. On débloque, j'augmente ma jauge de vie. Bon, qui c'est qui revient à la vie? Toi, j'aime pas ton bras. Voilà, crève. Ah, ça le tuait plus vite, les autres fous. On me lance un projectile, là. Enfin, c'est en violet, c'est un projectile. J'utilise rarement le fait de me... Ah bah voilà, j'ai bien fait. Il y a un projectile. Toi, tu vas crever, mon pote. Envole-toi, petit oiseau. Merci. Heureusement qu'il me donne des indications ici. Oh oh. Il disait que je pouvais parer les boules de feu aussi. Il faudrait que j'essaye de parer les... Vas-y. Oh. Stylé. Ça, c'est... J'aime bien. Je sais pas si c'est la meilleure idée de combo, je sais que j'ai mon super pouvoir en bas à gauche. Mais de le faire s'envoler et de lui tirer dessus en l'air, j'adore. Nouveau travail. Dos au mur. Ouais, je peux clouer des ennemis au mur. Trop marrant. Bon, il y avait quoi à faire dans cette zone. Et après, nous, je pense qu'on va s'arrêter là. Attendez, c'est quoi? Peut-être une fresque dedans. Regarde là, un autre. Ça dit que son nom est Rungnir. Mère m'en avait parlé. Un guerrier géant fait de pierre. Il la prépare à une grande bataille, on dirait. Odin est là, et Thor, et même le serpent monde. Oh, Thor a dû lui fracasser la tête. Tu vois? Mais là, il est écrasé sous le corps de Rungnir. Idiot. C'est mon deuxième sur 11. Ça signifie qu'ici, c'était un chemin annexe. Même si ça semble également... C'est quoi ça? Carré? D'accord. Tiens, joue. J'ai déjà vu. Ah non, c'est un parchemin. Connaissance. Ah mais il y a plein de trucs à regarder là-dedans. Il y a plein d'objets à collecter. Bon. De la vie. Et même, faut regarder en hauteur. À chaque fois, je peux faire par exemple, tomber score. On va voir si il y a l'élément... Ah.
C'est un élément pour le faire tomber. Mais il y a de fortes chances que si je joue à jeu, je vais mettre plus d'une trentaine d'heures à vouloir tout collecter, tout ramasser. Et ce qui fait que... Ça fait quoi? Ça augmente peut-être ma jauge en bas à gauche de pouvoir d'énervement. Il y a de fortes chances que je n'arrive pas à terminer celui-là avant l'arrivée de la suite, quoi. Je peux pas le faire tomber. Ah si. Il pleut des squelettes. Ça servait à rien, mais c'était, je ne regrette rien. C'était marrant. Ouais, les éclairages sont jolis. C'est réussi, voilà. Très réussi. Bah nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On peut pas terminer comme ça. Il faut d'abord qu'on termine. Qu'on lui défonce. Elle est où ma hache? Attends, elle revient de là-bas. Ça va, c'est cool. Elle traverse les murs quand même pour revenir. Qu'est-ce qu'il disait? Ah oui, la hache, ça marche pas très bien sur lui. J'avais déjà essayé. On va le faire. Vas-y, fiston. Défonce-lui. Encore un petit coup. Attends. Ouais, t'en prends pas mon fils, toi? C'est trop bien. Il va y avoir d'autres ennemis là, non? Ça, je vais les garder au cas où il y a des boss. Ok, bon, c'est parti. Vas-y. Sur lui. Voilà. Sur elle plutôt. Elle est où? J'arrive. Tu vas. Vas-y, retire-lui dessus. Ouais, en fait, on fait un travail d'équipe. Oh. On va voir si ça remplit ma jauge. Ouais, ça remplit bien ma jauge. Trop bien. Est-ce que je devrais pas m'occuper plutôt de la sorcière pour le moment? Je sais pas. Non, ils sont un peu trop nombreux. Oh, la sorcière! Attendez, je crois qu'elle a tiré sur l'autre ennemi en même temps. Attendez, là, je vais morfler, mon gars. Je tire sur la sorcière en priorité. Ouais, mais sa jauge, du coup, elle est redescendue. Bien joué, fiston. Ça, c'est du travail d'équipe. Je vais crever, je suis bloqué. La vie. Faut que je fasse gaffe, retourne-toi. Ouais, le projectile. Ça va être compliqué. Et je peux pas arrêter la vidéo tant que j'aurai pas finalisé ce combat. Fiston, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Il a plus de flèches? Si, il a des flèches. Allez. Je devrais lock un peu plus les ennemis parce que là, je me fais avoir à cause de ça, je crois. Bon, ouais, vous me laissez pas le choix, vous. Aïe. Il y a de fortes chances que je crève. Je vais crever. Un coup, je suis mort. Ouais, le projectile, j'ai vu. Vite. S'il te plaît, fiston, tire dessus. Non. Je crois que je suis mort 3 fois dans cette vidéo. Allez, on y retourne. Ah, mince. Ils m'ont fait respawn là. Ça a pris en compte ce que j'ai ramassé ou pas ici? Ouais, ça. Il y a du sang qui a coulé, non? Ça a pris en compte. On n'arrêtera pas la vidéo tant que j'aurai pas réussi le combat de là-bas. Et le pire, c'est que c'est le début du jeu et je meurs déjà tellement de fois. Ça signifie que je vais très certainement morfler plusieurs fois de suite. Range la hache vite. Donc là, on va garder mes pouvoirs, on va tout garder. Faut qu'on fasse la sorcière en priorité. Parce que la sorcière me fait des attaques à longue distance qui sont pas super funky. Voilà. Toi, tu retournes. Au Mont Blanc. Je cherchais pas à comprendre cette blague. C'était pas drôle. Est-ce qu'on n'essayerait pas de l'assommer? Ah ouais, mais ils sont en train d'arriver tous en même temps. Je crois que j'ai pas... Ça va... Non, tire sur... Voilà, parfait. C'est bien, fiston. On fait un bon travail d'équipe. Ok, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je sens que je vais encore mourir. Ouais, merci, papa. merci, fiston. Je m'en mêle les pinceaux. Là, on a peut-être une chance. J'arrive pas à faire mon pouvoir, voilà, c'était ça que je voulais faire depuis tout à l'heure. Ok, vas-y. Là, on est pas mal. Juste, j'arrive pas à esquiver les attaques là, qui arrivent. Ok, on peut le faire. On peut le faire, croyez en moi.
Ouais, elle est en train de me vomir à la tronche. Tiens, donne-moi ça, je vais en avoir besoin. Raté. Tire dessus. Et on y va. J'oublie carrément que je suis en... comment elle est presque morte. J'oublie que je suis en vidéo tellement je m'amuse. Tellement je kiffe. Vas-y. On l'a fini. Bien joué. Il y a un autre truc qui vient de sauter, vous l'avez vu. Ah, je pensais qu'il m'attaquait. Ça arrive dans mon dos. Dis-moi quoi, quoi. Ah oui, tiens. Je pensais que c'était un petit combat, mais en même temps, ça m'entraîne. Encore un. Ah mais c'est encore le même. Oh, j'esquive aussi sur ma chaise. Je voulais lui arracher le bras à mon ennemi. Un peu, ouais. Voilà. Bon, attendez, je regarde le bestiaire avant quand même. Nous, on s'arrête là pour cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Suis-moi. Et avoir remémoré quelques petits moments à certains qui ont déjà fait le jeu, j'imagine. Et hâte qu'on se retrouve maintenant. Il y avait beaucoup de trucs de santé là. Ça signifie que c'était un combat qui n'était pas si évident que ça. Ouais, hâte de se retrouver dans quelques jours et de voir... moi, je vais continuer à y jouer de mon côté, mais hâte de voir justement la suite, les améliorations, étant donné celui-là était sorti en 2018, de voir en 4 ans les améliorations. Ah, je crois qu'il y a c'est les gemmes qui sont sur ma hache qui sont visibles. Donc, merci et à très rapidement pour de prochaines vidéos. Salut.